Bonjour, donc un exercice du livre, le livre en seconde, numéro 82. Donc ça c'est une technique à connaître de génération de nombres. Par exemple, dans la première question, générer un nombre entre 1 et 6 à un dé au hasard. Et les autres, en fait, c'est si on arrive à comprendre le premier, c'est les autres, c'est simple. Alors, d'un point de vue mathématique, d'abord, c'est toujours la même chose. Le random, il génère un nombre entre 0 et 1. Donc le 1, il n'est jamais atteint. Donc voilà, c'est comme ça, c'est programmé comme ça. Donc, moi, je veux un nombre entre 0 et 6. Donc, je vais essayer de multiplier ou ajouter des choses de telle sorte que le nombre au milieu va être compris entre 0 et 1. Donc, d'abord, l'idée, c'est de multiplier par 6, partout. Parce qu'on a un dé, c'est entre 0 et 6. Donc là, multiplier par 6. Donc d'un côté, ici, il y aura 6. Là, il n'y a rien qui change. Et là, il y aura 0. D'accord? Le problème, c'est que ici, j'ai un 0 qui peut être atteint et un 6 aussi qui n'est pas atteint. Donc l'idée, c'est de décaler un petit peu et de rajouter un 1. Donc rajouter un 1 dans chaque côté. Là, il y aura 7. Là, il y aura plus 1, là, il y aura 1. Par contre, là, oui, ça m'arrange parce que le 1, le 7, il sera jamais atteint. Par contre, le 1, oui, il sera atteint. Mais c'est mon objectif, en fait. Après, bon, si je laisse comme ça, le problème, c'est que je vais avoir tous les nombres, réels, pas entiers. Mais moi, je veux des nombres entiers parce que c'est un dé. Donc là, je vais utiliser la fonction int. Donc cette fonction int, qui, va limiter, en fait, les nombres sortis au nombre entier et pas réel. Voilà. Donc normalement, ça doit fonctionner. On va tester ce programme-là et on va voir si ça fonctionne. Donc pour le programme, il faut appeler la bibliothèque random, c'est obligatoire pour utiliser random et int, je crois. Int, on peut le trouver dans Math. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc d'abord, je vais tester le random. Le random. Donc là, j'avais déjà testé dans une autre vidéo. Donc random. Random tout simplement. Ben, mais si je mets pas de print, bien sûr, ça va pas printer. Donc si je mets un print ici. Donc voilà, il donne un nombre entre 0 et 1. Ça, il n'y a pas de souci. Donc on a dit que je vais multiplier par 6, comme au début de la capsule. Donc multiplier par 6. Et on rajoute un 1. Donc oui, on peut tester juste pour voir. Donc là, il va donner un nombre réel. Hein, il va donner 2. Par exemple, si je réessaye 3, si je réessaye 3 encore, 6, mais jamais atteint 7. Donc moi, puisque je veux pas les nombres réels, je veux que les nombres entiers, donc je vais rajouter un int, la fonction int. Voilà. Et donc normalement, je dois avoir que des nombres. Il y a une petite erreur quelque part. Donc voilà, j'ai raté ici, je crois, une parenthèse, parce qu'il y a la parenthèse de print. Voilà. Donc là, si je recommence, je peux même utiliser un boucle for pour voir plusieurs sorties. Donc on fait un range, je sais pas, 0,20 par exemple. Donc là, n'oubliez pas l'indentation, petite tabulation. Une petite erreur encore, c'est pas un problème. Donc là, il y a les deux points que j'ai oubliés. Tac, voilà. Donc là, si je recommence. Donc vous voyez, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6. Mais il n'y a pas de 7, il n'y a pas de 0. Voilà. Voilà pour la première question. Donc là, on revient sur la deuxième question. Un nombre entre 0 et 4. Je crois que vous avez compris le principe. Donc on va aller changer des petits trucs. Mais cette fois, on n'aura pas besoin de. Donc là, on va enlever le int. Parce que je veux tous les nombres. Il n'a pas dit entier. Et là, donc là, je vais mettre 4 fois 4. Et puisqu'il y a un 0, donc on n'a pas besoin de ce 1 là. Voilà, donc pour moi, ça doit fonctionner. Voilà, donc là je trouve différents nombres
Donc là, je trouve 1 virgule, 2, 2, donc ça arrive jamais à 4. Voilà, c'est, donc le principe est le même, hein, l'encadrement. Mais essayez de toujours de faire l'encadrement à la main, d'une méthode mathématique avant d'aller chercher sur, le programme. Donc pour la question, 3, c'est exactement pareil. Donc là, il y a des entiers, donc on va rajouter int et on va multiplier par 20. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a, je crois, à faire. Par contre, là, il faut rajouter un 1 d'un côté parce que sinon, il faut aller, pardon, il faut aller jusqu'à 21. On peut aller voir rapidement. Donc là, c'est des entiers, donc on aura besoin de. Donc si je vais jusqu'à 21 ici, après je fais un int. Int, donc ça va jamais atteindre 20, 21, pardon, mais ça va aller jusqu'à 20. Donc, si je fais run, voilà. Donc là, est-ce qu'il y a le 0? Je vois pas de 0. Donc, c'est peut-être juste un hasard. On va recommencer. En principe, il doit y avoir 0. Bon, là, je trouvais 0. Donc on va voir à ce que ça atteint à un moment donné 20. Donc il faut essayer jusqu'à tomber sur 20. Ben, je vois le 20 ici. Par contre, je vois jamais 21. Voilà. Donc pour un nombre au hasard entier entre 0 et 10, donc c'est le même principe. Donc par contre, pour avoir que les nombres pairs, on va essayer de générer des nombres entre 0 et 5 et après multiplier par 2. Donc là, vous avez compris pourquoi je mets ici 6. Parce que le 6, il sera jamais atteint. Si je mets 5, le 5, il sera jamais atteint et du coup, j'aurai plus de 10, hein. Donc là, j'aurai jamais de 10. Donc là, si je recommence, on aura toujours des nombres entre 0 et 10. Voilà. Donc c'est l'astuce, qu'il faut retenir, c'est que le random, elle atteint jamais 1. Et donc, on n'aura jamais, si on multiplie par 6, on n'aura jamais 6 en fait. Si vous voulez 6, il faut monter à 7, etc. Voilà pour cet exercice. Merci, au revoir.